bandeko bana mboka ya Congo mbote. Bauti komona moins de 24 heures après conclave ya Genève na Suisse makambo ya salami na biso ba politicien. Si je dois m'écarter. Mi balé, renié signature na bango, ba retiré soutien na bango, et pas ya moto oyo, dans le bac ya kosa na candidat unique na moponomi, ya ki président. De un, ba tonyoso, ba condamné bango, parce que ils ont montré la face bien connue, qui n'est pas cachée, du comportement du politicien congolais. La versatilité, le manque de constance, c'est ce qui caractérise la plupart des politiciens congolais. Les gens qui ne respectent pas leurs mots, qui ne respectent pas leurs signatures, qui n'ont pas l'esprit des lois, l'esprit des textes, malgré ce que nous pouvons appeler, ou qu'on a l'habitude d'appeler, les voix intellectuelles de l'homme congolais. Je disais donc, de un, Batonyo sera condamné Bango. De deux, nous ne devons pas les condamner, parce que ceux qui se sont retirés savent bien ce qu'ils font. Et de toi, en sachant bien ce qu'ils font, ils doivent nous dire si ce n'est pas un autre jeu qu'ils jouent. Et pour moi, je sais que c'est un jeu, c'est un accord pour chercher à causer du sensationnel et peut-être à briser les cœurs de certains. Vous voyez déjà les militants de l'UDPS qui sont allés attiser le feu à leur quartier général. Et il y a eu beaucoup de déclarations sur la toile. Ça a causé un tollé. Mais je dis bien, attendez-vous à quelque chose d'autre. Je ne pense pas que ça va se limiter là-bas. Au retrait des signatures, je ne pense pas. C'est toujours des comédies qu'ils jouent. En allant signer, ils se sont entendus que non. Après un jour, le nouveau Colombois, vous allez déclarer ceci et cela, et le verront. Et la question, combien ces gens se moquent de nous. Matungulu, dans une interview, je ne sais pas avec quelle radio, peut-être c'était la RFI, il dit que il est dessus parce que ils ont été envoyés par les Congolais pour voir qu'ils ne trouvaient accord. Les Congolais ne vous ont jamais envoyé en Suisse pour aller vous entendre et sortir un candidat unique. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Et puis dans son langage méprisant, M. Fayulu dit, appelle tout le monde enfant. Qu'est-ce que nous allons dire aux enfants? Qu'est-ce que nous dirons maintenant aux enfants? Il a répété le mot enfant plus de 4 fois. Mais nous ne sommes pas les enfants, nous ne sommes pas tes enfants. Nous sommes des adultes qui avons un sens d'analyse. Il faut retirer ce langage, M. Martin Fayulu. On ne s'exprime pas comme ça. Dans le cadre politique où tu appelles les enfants, les hommes adultes, les enfants. Je te les conseille si tu te référais à tes propres enfants, mais les auditeurs et les téléspectateurs ne sont pas des enfants. Personne ne vous a délégué. Vous êtes allé en Suisse par votre propre initiative ou on vous a tiré par le nez parce que c'est ce que vous voulez. Pour nommer un candidat,
Vous pouviez le faire à Kinshasa, au Congo, dans n'importe quelle province au Congo. Pourquoi nécessairement vous devriez aller en pique-nique en Suisse, où vous étiez sponsorisé par des multinationales qui veulent visser leur séjour au Congo pour de bon et balkaniser notre pays et nous esclavagiser? On ne vous a pas envoyé. Nous savons que le lobby qui vous a invité, c'est le lobby katumbiste. Et il ne s'arrête pas là-bas. Il a invité même des Sud-Africains avec l'ancien ministre, je pense, des lois, l'ancien ministre, je ne sais pas, de la territoriale de l'Afrique du Sud, un certain Rolf Meyer, que je connais très bien, qui a été parmi le rédacteur de la nouvelle constitution d'Afrique du Sud. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de vous-même. Toujours, il doit y avoir des médiateurs. Toujours, il doit y avoir des étrangers qui viennent nous tirer le verre pour le nez. C'est une honte. Raison pour laquelle cette classe politique doit être élaguée de gré ou de force. Vous ne représentez personne dans vos colloques, dans vos conclaves, dans vos conférences. Vous représentez vos ventres, vos familles et vos sponsors. Alors les Congolais que nous sommes, nous n'allons pas vous laisser libre. Nous allons continuer à vous détruire parce que nous connaissons beaucoup de vos secrets. Je félicite en passant la diaspora congolaise qui ne dort pas sur ses lauriers en train de dénoncer le mot ourdi par cette classe politique remplie de voleurs et des antipatries, des criminels. Monsieur Fayoulou, tu évoques le nom de Dieu qu'il a plu à Dieu de vous réunir là-bas. Vous parlez de quel Dieu? Le Dieu étranger, le Dieu des Blancs, un faux Dieu qui ne voit pas que les Congolais sont en train de souffrir, un faux Dieu qui ne parvient pas à armer les Congolais avec la bonne intelligence pour trouver des solutions à leurs problèmes, des problèmes que vous créez. D'abord, il faut cesser d'évoquer les noms de ces faux dieux israéliens qui n'ont pas les nôtres. Cessez de vous moquer de nous, les Congolais. Aucun de vous ne condamne l'occupation, aucun de vous ne propose des solutions pour chasser l'occupant, le déguerpir de chez nous. Vous êtes des accompagnateurs et des idiots utiles. Que l'étranger utilise pour émietter notre pays. Vous n'avez pas honte, malgré vos niveaux académiques, pour travailler comme esclave d'un petit soldat rwandais, M. Paul Kagame, d'un illettré, un chauffeur de taxi, comme Hippolyte Kajamber Kanembe. Aucun de vous ne condamne publiquement la souffrance du peuple congolais, le massacre, l'holocauste que nous connaissons. Vous ne parlez pas de massacre au Kasaï. Votre parlement, votre Sénat ne condamne pas publiquement le massacre à l'est de la République, au Kivu. Il n'y a aucun débat sur ce massacre au Parlement. Vos médias ne font que l'angélisme des occupants, comme si de rien n'était. Vous pensez que c'est le conclave de Genève qui nous plaît? Monsieur Katumbi, Monsieur Félix Tshisekedi, Monsieur Fayoulou et les autres qui se réclament des candidats, ne nous précipitons pas pour aller aux élections. Cotisons l'argent, achetons des armes, armons-nous, armez la population.
nous sommes nombreux, plus nombreux que du sable sur la plage de la mer. Nous sommes donc capables, si nous sommes armés, de broyer la machine kagamienne chez nous. Que vivent les Congo, ces Congo de Lumumba, ces Congo de martyrs. Il ira cela ainsi. Merci à tout le monde. Vous devez donc cesser avec cette hypocrisie, vous les soi-disant politiciens congolais. Vous ne détenez pas les atouts pour organiser les élections au pays. L'armée, les services d'intelligence ne sont pas entre vos mains. La police non plus. La caisse de l'État est entre les mains des occupants. Alors, dites-nous, vous allez organiser les élections comment? Quand vous n'avez pas les instruments de la gestion du pays. Vous n'êtes qu'une bande de marionnettes et des hypocrites qui manquent du patriotisme. Vous manquez du patriotisme. Et ne vous appelez pas politicien. Vous devez vous effacer. Et si vous ne vous effacez pas, nous allons vous effacer. Une bande de traîtres. Thank you.